Le tréma n'est autre que ces deux petits points à placer sur une voyelle donnée, dont le E, qui est notre thème du jour. Le tréma a une valeur d'accentuation de la voyelle précédente qui doit être prononcée. Exemple, ambigu, aigu, sigu. Le tréma sur le E veut dire que je dois prononcer le U. Je dois dire ambigu et je ne dois pas dire ambigue. Depuis la réforme de l'orthographe, il est possible de mettre le tréma directement sur le U que je dois prononcer. Alors, notons bien que si le U ne se prononce pas, il ne faut pas mettre de tréma. Dans fatigue, je ne mets pas de tréma, puisque je ne dis pas fatigu, je dis fatigue. Pareil pour digue, figue, etc.